et re YouTube, re le stream. On continue, on reprend là où on s'en est arrêté, donc c'est-à-dire on va commencer une nouvelle catégorie de voitures. Alors du coup, est-ce que j'upgrade la Mitsu ou est-ce que j'achète une voiture? Pendant la pause, je me suis dit, vas-y, je vais voir éventuellement pour acheter une nouvelle voiture. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai toujours ce petit défi à la con à tryhard là, pour compléter à 100% le Road E. Et j'aimerais garder la Mitsu pour ça, parce que je l'ai en main, donc au pire, je verrai, je ferai des upgrades ou des downgrades, justement, peut-être pour la contrôler un petit peu plus et justement mieux maîtriser les virages. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je vais pas optimiser la Mitsu pour l'instant. C'est con parce qu'on a des objectifs de terminer je crois une vingtaine d'épreuves avec la même voiture, mais c'est pas grave. Du coup, là, on est sur du chrono. Et je suis obligé, du coup, soit une nouvelle Mitsu, soit on achète une deuxième Mitsu. On pourrait, en vrai. Elle a l'air survénère. Ou alors... Ah, attendez, je vais enlever la caméra, comme ça vous verrez les stats. Ou alors, putain, celle-là, elle a l'air vénère aussi, hein. La petite Toyota GR Supra, là. J'ai les sous, hein. Elle a l'air bien vénère, celle-là. Que je compare un petit peu. Voilà, voilà, la Mitsu qui a juste... Ah, mais non, mais même celle-là, au niveau de l'axel, elle défonce la Mitsu. Comportement, vitesse max... Ah oui, non, en fait, la Mitsu, elle est... Elle est low tier, quoi. Bon, la Porsche, c'est hors de... Ah, mais 4 roues motrices, la Porsche? Vraiment? Bon, après, c'est le comportement. Moi, j'aime bien avoir quand même une voiture qui a un bon comportement. Oh, la petite Ferrari, là. Oh, la petite Ferrari à l'ancienne, là. Ça peut être vénère, ça. Ah ouais, forcément, faut que je débloque des niveaux de pilote. Oh, la Jaguar. Bon, par contre, en comportement, ouais, c'est un veau, le bordel. C'est puissant, mais c'est un veau. Bon, ça, je suis pas forcément ultra hypé, et ça, je suis pas du tout hypé. Donc, je vais jeter mon dévolu, soit... Donc ça, c'est quoi? C'est une traction. On a que des tractions, en fait. On n'a pas de propulsion. Non, c'est que des tractions. Alors, soit la Ferrari. Parce qu'elle a l'air quand même survénère. Et j'ai les sous. Mais une Ferrari, ça se pilote. Enfin, c'est pas le même délire que la Mitsu. Hein. Parce que la vitesse max, 44, 45,5, 33,1, 35,7... Voilà, non, je vois en comportement, c'est... Bon, elle a plus de vitesse max, l'Aston Martin, mais en vrai, en comportement, c'est... Pareil, ça va être un veau, je pense. Et celle-là, 33,4, 43,1, 29,2, 35,9. Bon, on va les faire un par un, parce que je vais pas retenir. Alors, 40, 44... 33,4. Ah oui, d'accord. 45,5. 43,1. Comportement 29,2. 33,1. Ouais, non, la Ferrari. 1000% la Ferrari. Oh, j'ai perdu des sous. Alors, est-ce que je peux la pimper? On va la pimper. Alors, personnalisé. Alors, bleu comme ça, dégueulasse, une Ferrari, vraiment? Je suis pas sûr. Hein. Ah, j'avoue, noir. Avec juste des reflets. Ah, ça peut être très vénère. Bon, une Ferrari, normalement, c'est rouge, on est d'accord. J'ai pas été élevé chez les sangliers, donc je sais. Une Ferrari, normalement, c'est rouge. Mais, quand même. Ah ouais, non, mais comme ça. Autant sur la Mitsu, j'étais pas convaincu. Autant sur celle-là.
Ouais, et même très clair, on peut se permettre. Hein. Bon, mat métallique, c'est dégueulasse. Ouais, après, juste métallique. Mais... Ouais, foncez. De toute façon, la Mitsu, je crois qu'on l'avait mis comme ça. Et en fait, à la lumière du jour, ça allait pas. Donc ce sera... Ouais, remarque, après, c'est une Ferrari. Donc pour le coup, pour une Ferrari, ça reste cohérent. Vas-y, on va partir là-dessus. Toutes mes voitures auront la même couleur. Au niveau des rayures. Bon, ça n'a aucun sens de faire ça. Déjà, il y a quelque chose, là. Ou alors sur les côtés. Et ben juste comme ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Non, ça non. Non plus. Non plus. Non, ça fait trop kékos sur une Ferrari, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Divers. Comme ça, il y a quelque chose. Alors ça, c'est hors de question. Attends. Ah oui, non. Hors de question. Ça, non. Non plus. Non plus. Oh, les flammes. Ou alors, je fais une Hot Wheels. Je fais ça en... Je suis sûr, en plusieurs couleurs, on peut faire genre des flammes. Jaune-orange. Avec la voiture en rouge. On fait une Hot Wheels. Ouais. Ça, c'est vénère aussi. C'est très vénère, ça. Bon, ça, c'est DLC, ok. Et ça, c'est pas mal, hein. Ça fait pas trop kékos, quoi. Un petit peu, mais pas trop. Ah oui, non, mais derrière, c'est n'importe quoi. Non, c'est ni fait ni à faire. Eh, je vais... Juste pour déconner, on va tester de faire la Hot Wheels. On va voir. Je préfère genre un petit dégradé. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attendez. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose. Attendez. Attendez, il y a peut-être quelque chose là. Oh là là. Ça y est. C'est n'importe quoi. Ah, oh, mais quel kékos. Chiche, je la garde comme ça. Ah oui, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qu'il me dit là, voice mode, je le supporte plus. Oh, c'est incroyable. J'ai ma petite Hot Wheels. Vas-y, on la garde. On garde ça comme ça. Oh, mais quel gros kékos. Ah, l'immatriculation, c'est très important. Alors moi, ce que je me demande, c'est la personnalisation de la plaque. Mais merde! J'oublie qu'il faut... Ah, oh, je suis désolé. J'ai oublié. Attends, à l'envers, ça me perturbe. Je vous jure, on va y arriver. C'était une promesse que je vous avais faite pour la première VOD. Et on a réussi.
Donc pas de panique. Ah mais ça change en fonction des voitures ? Ah, en fonction des voitures, on peut pas pimper comme on veut. Donc là, c'est très sobre. Ouais, il faut que j'aille jusqu'au bout dans la démarche. Il me faut un truc de Kekos. Ah, remarque, à l'italienne. Ça aurait du sens. Non, mais y a pas un truc avec des flammes. Oh, ou comme ça. Goldé. Ah, mais non, mais c'est DLC. Alors, genre, mais hors sujet. Mais hors sujet fois 1000. Comme ça, c'est pas mal. Bah non, c'est nul, mais bon. En mode Rastafari. Comme ça, on aura du vert jaune rouge. Tel un gros fumeur de pétard qui s'achète des Ferrari. Bon, ouais, bah, on va garder notre truc dégueulasse, c'est bien. Ah, les plaques personnalisées. Ouais, alors par contre, je pense qu'on va rester en constructeur pour les roues. Je pense pas que ça puisse vraiment se changer. Les pneus. Les pneus, on peut changer. Ça, c'est stylé, ça. Ah, comme ça, c'est pas mal aussi, hein. Ah, ben là, ça a du sens. Ça a du sens. Ah, oh, c'est incroyable. Quelle voiture incroyable. Merde. Non, c'est bon. Sauvegarder dans mes styles. Non, c'est bon, yes. Maintenant, ça sauvegarde mes styles. Bon, alors, du coup, maintenant, c'est du chrono. Le temps du tour. 40 secondes. Mais je vais mourir. Bon alors de souvenir, les Ferrari comme ça à piloter, ça se prend en main, mais ça prend du temps. Et là, vu que j'ai déjà passé plus de 10 minutes à pimper ma voiture. On va peut-être avoir des problèmes. On va voir. J'ai peur. Elle va défourailler. Ça va être l'enfer. Oh là là. D'accord. D'accord, faisons comme ça. Oui, mais oui. C'est un problème. Bon, on va faire un petit peu de tourisme sur le circuit, ça vous dérange pas? Oh là là. Au moindre paix de mouche, elle part. Et je vois le bout de mes flammes. Sous contrôle. Et merde. Bon attendez, continue, on prend l'XP quand même. Bon je recommence. Là on n'était pas si loin et pourtant j'ai merdé à mort. Non mais la voiture elle est surpuissante. Améliorée j'imagine même pas. Oh là là, c'est un délire à piloter. Hein. Il va falloir y aller de manière très mesurée. Ouais, ben lol. Voilà. Voilà ce que j'en fous de la manière mesurée.
Oui, c'est bon, on a compris. Ah, mais ça patine tellement. Oh, la première, elle est tellement vénère. Ouh. Oh, mais elle est lourde. J'ai jamais regardé le poids de la voiture. J'ai réussi. Je crois que j'ai réussi. Bon bah très bien. Alors on pourrait la refaire juste pour se prendre la main. Terminer des tours sans faute, 30 sur 50. Que ça? J'ai autant chié dans la colle depuis le début du jeu. Et vous savez quoi? On va refaire un petit tour avec, ça me fait plaisir. On va refaire un petit tour avec. Non, parce que j'imagine même pas avec des gens quoi. Mais là déjà c'est un scandale. Voilà. Ah ben autant la Mitsu je pouvais rattraper mes conneries, mais là rien du tout. Je regrette presque de ne pas l'avoir acheté la Mitsu de cette classe de véhicule. Mais elle tourne tellement mal. Oh là 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 là. Bah, c'est pas qu'elle tourne mal, c'est moi qui la gère très mal. Elle est tellement lourde. Est-ce que j'ai fait une connerie en achetant cette Ferrari? Peut-être. C'est à la base dans les jeux de bagnole, c'est pas mes voitures de prédilection les Ferrari. Hein. Il y en a certaines je trouve cool à piloter, mais... Oh là là, ouais, non, mais la première est tellement vénère. J'ai fait n'importe quoi. Mais ça passe. Mais j'ai fait mieux ? Oh là là, le mec qui te fait des tonneaux et tout. Non mais vas-y, on va dire ça comme ça. Allez. Si tu veux. Je sens que les courses, ça va être terrible. Oh la Hot Wheels de compète quoi. Réaliser le meilleur temps du tour, réaliser un tour sans faute, maîtriser 5 virages. Au secours! En course en plus? Oh là là. Donc le meilleur temps, un tour sans faute. Oh là là. Bon, on va faire celle-là. Oh non, pas ce circuit. Il va être horrible à maîtriser. Oh, il va être horrible. Là, vous voyez la petite montée, ben, au bout, il y a un petit virage de merde. Et vu que ça monte légèrement, il y a une sorte de petit bumper. Alors, si la voiture est lourde, ça va partir en couille. Oh là là. Et ben, voilà. RIP.
Bienvenue. Bah, ils ont déjà des voitures upgrade, eux. Lui à 348. Moi, je suis à combien? Ah oui, ma voiture Vania est à 382. Ok, bon, bah... Pff, hein. Je vais souffrir, quoi. En plus, je commence de travers. Génial. Oh oui, d'accord. Ouais, non mais... Oh l'embouteillage. Oh l'embouteillage. Ah mais ça tourne en fait. Non mais c'est pas grave. On fait du tourisme. Mais comment vous voulez que je passe avec tous ces sbires? Oh là là. J'ai peur. Oh, je l'envoie dans le décor. Mais non, mais cassez-vous! Bon allez, maintenant les virages parfaits. Ah mais c'est là où on s'est fait chier le fion avec les le chrono tout à l'heure. D'accord. Bah autant vous dire que les virages parfaits c'est mal barré hein. Elle est tellement vénère la voiture. Après elle est ouf hein. Je dis pas hein. Oh mais sérieux. Ça va, je me suis à moitié baigné la gueule dans l'herbe. Me mettez pas une pénalité en plus. Ok, bon, il y a deux virages encore à maîtriser. Bon, bah, rip, hein. C'est pas grave, on va la refaire. Je commence un peu à la prendre en main. Honnêtement, c'est peut-être pas clair de votre point de vue, mais du mien, ça va. Elle bombarde mais d'une violence. Ouais bah à chaque fois je vais chier ici. LOL. Ah mais c'est bon, j'ai maîtrisé 5 virages. J'ai le défi. Ah mais par contre c'est le tour sans faute. Ah. Le tour sans faute, on s'assoit peut-être dessus. J'ai fait le tour sans faute ou pas? Je pense pas. J'ai complètement craqué là vers la fin. Non, j'ai pas le tour sans faute. Bon, on va la refaire pour le tour sans faute, on va essayer. Oh, mais elle bombarde d'une violence. Bah pour le tour sans faute, en fait, je pense qu'il faut tout simplement que j'y aille safe sur le dernier tour. Allez. Oh ouais non mais le début il est infernal. Il est infect le début. Non mais là qu'est-ce qu'on en pense de ça?
Faut que je sois à l'intérieur. Ok. Donc en gros, pour le tour sans faute, faudrait peut-être que je fasse tous les virages maîtrisés. Ou juste je fais pas de conneries, c'est tout. Je sais pas. Peut-être qu'il faut pas que je sorte de la piste, hein, tout simplement. Peut-être ça. J'essaie de me focus dessus. Ok, on va essayer de se focus. Secteur sans faute. Bon, le secteur c'est bien, mais ce serait bien le tour. Elle bombarde, c'est terrible. Secteur sans faute, ok. Non mais tu me fous au volant de ça en vrai, je me chie dessus. Hein. Virage maîtrisé, donc c'est a priori. Secteur sans faute, ok. Avec la petite musique électro derrière là. C'est bon, je l'ai fait. Nickel. Oh bah, pff, MDR. Bon, tous les virages maîtrisés, c'est mort. Mais c'est pas grave. On en avait pas besoin. Oh là là. Bon, du coup, je teste des trucs, hein. C'est de d'éprouver un petit peu la traction de la voiture sur le pavé. Elle part assez facilement et ça reste contrôlable. Bon, parce que c'est une traction. Ce serait une propulsion, ce serait une autre histoire. Ah, clairement, piloter comme ça avec une propulsion, je pourrais pas. Hein. Bon. On a fait le tour sans faute. En vrai, le tour sans faute était ultra propre en plus. Bon, il y a quelques moments, j'ai joué safe quand même, faut pas déconner. Oh non, mais ce virage là. Mais comment vous voulez que je le maîtrise avec un veau pareil? La voiture Hot Wheels, quoi. Non, mais ce pilote, je suis... Franchement, elle fait peur, surtout dans les sections étroites, mais ça se pilote. Ça se pilote. Mais c'est vraiment avoir un putain de gros un gros moteur pour compenser autre chose, quoi. Ça m'intéresse moins de piloter des bagnoles comme ça plutôt que de piloter des voitures où tu dois justement être un peu plus technique. Là, j'avoue que c'est bourrin as fuck. Ça passe, hein. Mais c'est bourrin. Allez, remporter la course, prenez l'aspiration d'un concurrent. Pendant 8 secondes et des concurrents pendant 30 secondes. A pu dépasser, d'accord. Pendant 8 secondes et après dépassez-le. Vu la puissance de ma voiture, on en parle ou... Je veux dire... J'ai pas le temps. Après, est-ce que je suis obligé de le faire direct? Si j'ai pris pendant 8 secondes tel sbire, son aspiration, si je le passe, si je le dépasse quelques secondes plus tard, ça passe peut-être. Je ne sais pas.
Ou alors, faut vraiment bourrer l'aspi et le dépasser. Sauf que 8 secondes, vu la puissance de la bagnole, 8 secondes. Ou alors, c'est généralisé. On prend de l'aspi, on dépasse, on prend de l'aspi, on dépasse, et puis à un moment donné, il y a un cumul qui se fait, et donc ça passe. Je ne sais pas. Ah, l'Espagne. Ah, elle est incroyable, ma voiture. Lancement parfait, ok. Oh, il y a une Honda Civic. On va où? Non mais je pense qu'on ouais, non mais je peux pas en fait. Bon, on va lui coller le cul. En gros, c'est vraiment au tout départ, je crois, dans la première ligne droite, il y a peut-être moyen. Bon ben lui, on va essayer de bourrer. Oula, non 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 non. On va essayer de bourrer pour prendre son aspi pendant un certain temps et après le dépasser, on verra. Allez, avance. Non mais ma voiture est trop pétée par rapport à eux. Mais voilà, regardez là, je le passe. Vas-y, prends de l'avance. Allez, accélère. Non mais c'est le défi infaisable avec cette voiture. Allez, c'est la ligne droite. Allez les gars. J'accélère à peine. Je vous jure, j'accélère à peine. C'est pas passé. C'est pas passé. C'était pas assez long. Non mais vraiment. 8 secondes. Bon, je vais essayer de compter alors. Par contre, vous énervez un peu les gars là. Non, me dites pas qu'il pleut. Oh non. Hop là, hein. Je m'excuse, hein. Je prends appui. Non mais allez, avance. Ah ouais, non mais dès que j'appuie à peine sur l'accélérateur, je les fume. Ah mais elle est incroyable la voiture, hein. Puis là c'est technique et mine de rien je m'en sors. Aspiration, ok. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ça passe pas. Bah j'ai pas compris le défi. Bah c'est pas grave, on va la recommencer après, hein. Elle me fait bien kiffer la course. Bon, je me suis focalisé un peu sur ce délire d'aspiration, mais ça se trouve, je bombarde tellement que j'aurais pu rattraper les derniers. Non, je pense pas. Oh là 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 là. Bah oui, mais ma vie est nulle.
On a vu, hein. Bah oui, mais du coup, j'ai vu que j'avais pas les mecs devant moi, ça me... Ça m'a perturbé. Bon, mais faut la refaire. Non, mais ça, c'est pareil. Ce truc d'aspiration, je sais pas si je vais réussir avec cette voiture. Elle est trop puissante. Je peux pas, en fait. Non, parce que pour prendre de l'aspiration, je pense qu'il faut que... Le jeu considère, à mon avis, que je dois être à full Axel. Sauf que pour être à full Axel, faut que j'arrive de très très loin. Et même là, je sais pas si... Bon, à mon avis, je les fume quand même. On va la refaire une fois. Parce qu'en vrai, la course était cool. La course était très sympa. Ou alors je temporise à mort au départ. Et c'est un concurrent, donc ça se trouve, faut vraiment que ce soit de l'aspi sur un sbire que je dois dépasser derrière. Ça peut pas être genre une masse où je prends de l'aspi au pif et je double derrière. J'effleure à peine la touche pour accélérer, je vous jure. C'est vraiment une Hot Wheels de compète. Hein. Ouais, je suis sûr que du coup quand je tamponne ça marche pas. Vraiment que je prenne mais sans tamponner. Allez Michel, fais un effort. Après, c'est peut-être un global, hein. Ça se trouve, si je me focus tout le temps sur le même. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et je le tamponne. Et ça passe pas parce que je l'ai tamponné. Je pense que si je le tamponnais pas, ça passait. Allez, double. Je cherche à comprendre un peu le fonctionnement. Hein. Je pourrais tellement les fumer sur le chrono. Eh ben, se manie super bien, en fait. J'ai eu peur sur la première épreuve, mais en fait, c'est juste un régal. Ah, alors là, vous êtes beaucoup, par contre. Oula, mais il est énervé, lui. Allez. Mais attends, mais il est... Allez, je pars de loin en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je l'ai tamponné. Et je l'ai tamponné, je me déteste. Vas-y. Ouais, je pourrais la finir, mais ouais, vas-y. C'est pas saoulé. Vas-y, défonce-toi l'œil, le chat. Hein. Mais il est affreux cet objectif à faire.
Allez, faut avancer. Ah, on me pousse. Donc j'essaie de le coller lui. Mais j'ai l'impression que lui il avance pas. C'est une Alpine normalement, ça accélère ça. Tu vas pas me dire que sur une section comme ça, une Mustang fume une Alpine, c'est n'importe quoi. Je reste à mort derrière lui. Après, c'est vrai que j'ai pas une accélération progressive, donc peut-être que ça joue là-dessus. Mais je comprends pas. Non, mais ma voiture est trop puissante. Je pense que concrètement, il faut que. Il me faut une voiture beaucoup moins vénère. Bah, genre la Mitsu, éventuellement, celle que j'ai, si admettons je l'améliore. Et faire les épreuves là, sur. Enfin, faire ces épreuves là. Et voir en fait. Après la Mustang, éventuellement la Mustang, ça en a sous le capot. Elle va peut-être m'impressionner. Ah parce qu'il avance quand même. Hein. Et il tient le pavé, hein. Alors que moi... Ouais, là il est trop loin. Non mais il était trop loin. J'aurais pu mais... Là, par contre, s'il me fume, c'est un scandale. Ça y est, j'ai trop pris le pli de la jouer safe. Avec ses conneries. Et là, il met aspiration alors que je suis à 4 km. On en pense quoi? Moi je kiffe ma life, hein, je fais des dérapages. Je fais n'importe quoi. Bon bah il est premier, hein. Bien joué à toi. Ah mais sur la mini carte on voit les virages maîtrisés et tout. Ah. Eh bien bien joué à lui. Non mais en vrai voilà, si j'étais sérieux dès le départ, je leur mettrais une misère. Mais Bah le problème c'est que ouais non, j'ai pas le temps en fait de le faire. C'est juste pas possible. Donc je verrai avec une autre voiture pour le valider un jour. C'est pas très grave. Oh mon perso, il est dégoûté. Bon, t'as 45 000 de VOD. On a fait quoi? On a fait un chrono, une course, deux courses, je sais plus. On en est où? Ah, le championnat. Ok, cool.
Moins 5ème dans le championnat, sur le podium dans une manche, marqué 15 points dans le championnat. Oh, ok, ça a l'air cool, deux manches. Allez, c'est parti. Allez, on fait ça et après on s'arrête là pour ce soir. Parce que comme un kiki pendant la pause, j'ai oublié de mettre à copier mes précédentes VOD. Donc ça va prendre 1000 ans. Et derrière, il faut que je les envoie. Et ça aussi, ça va prendre 1000 ans. Tandis que le chat se lave le cul. Voilà. J'espère que vous êtes content d'avoir cette information. Eh ben en vrai, c'est pareil. Là, je pourrais continuer à jouer au jeu pendant facilement 2-3 heures. Vraiment, je trouve le jeu super cool. Après, moi, je vous l'ai dit, les jeux de simu, tout ça, je kiffe. Et celui-là est cool à prendre en main, c'est pas prise de tête. Pour l'instant. Bon, mais là, on peut se permettre de bourrer. Bon, ouais, on va essayer de faire ça legit. Hein. J'ai bien dit essayer. Oui, non, mais attends, mais il met des coups de cul, lui. À l'aveuglette, hein. Et j'adore parce que virage parfait, mais ça part en couille dans tous les sens. Non, pas déconner, celui-là n'était pas parfait. Ouh là là! Je connais le circuit. C'est pour ça qu'à l'instinct, j'arrive à ne pas me chier malgré la non-visibilité. Long dérapage. J'adore parce que... Juste, j'essaie de contrôler le véhicule, le jeu considère que je suis en dérapage. Hein. Donc ça, typiquement, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Je l'ai très safe. Là. Et d'ailleurs, je crois que cette voiture-là, quand je l'avais pilotée, je sais plus dans quel jeu, je crois que je l'avais découverte sur ce circuit-là. Ça me revient. Parfait. Voilà, j'ai essayé de le bourrer un petit peu plus. Bah ouais, non mais je leur mets tellement la pige, tu m'étonnes. Parfait. Je me doutais que c'était celui-là que j'avais pas. Ouh. Secteur sans faute. Oh là là, mais le replay je vais le garder de celle-là. Il doit être incroyable.
Je vais me palucher sur mon propre replay. C'est incroyable. Oh là là. Non mais elle est folle à piloter, c'est incroyable. Ah c'est incroyable. Je surkiffe. Je kiffe ma Ferrari. Pilote vétéran. D'accord. Merde. Sauvegarder ralenti. Alors j'espère que c'est pas le ralenti de quand il... Ouais, j'ai gagné. Le meilleur ralenti de l'univers. Non mais ce circuit est ouf. Là c'était le bon combo pour prendre vraiment en main la voiture. Propre. Poète, 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 poète. Leyden Hill, Jeep. Mais c'est ouf parce que toutes les courses qu'on fait pour l'instant, à chaque fois, ou presque, on découvre des circuits. Il y a juste deux courses en arrière où je crois qu'on a refait un circuit qu'on avait fait avec le chrono, avec la Mitsu. Mais sinon on découvre des circuits tout le temps. C'est trop bien. Et vraiment, j'espère que pour les événements en ligne sur le jeu, ça va être opti parce que moi, pour le coup, ça m'intéresse. Hein. C'est moi genre de faire des chronos et tout. Bon, après, bon, si t'as des mecs avec des volants qui font que ça, ils vont me défoncer, hein, c'est sûr. Mais ça peut être marrant de participer. Je serais très curieux de savoir ce que ça donne. Faire des courses avec des gens. Oh, putain, je supporte pas ça. Ah, les jeux de course en multijoueur. Je trouve ça, mais horrible. Allez, zou. Et là, elle est plus custom, ma voiture. Oh, c'est un bug. Non, mais... Bon, je vous jure, j'essaye de faire ça legit, hein, mais là, je suis pris en crêpe. Putain, pourquoi je parle de bouffe? J'ai pas encore mangé, moi, d'ailleurs. Je suis en train de penser. Mais il me pousse dehors! Non, mais attendez, il y a scandale, là! Ah, il y a 5 tours! Bon, par contre, les virages parfaits, on oublie. Hein. Non, mais oh! Dis donc! Allez! Ah, les virages parfaits, j'y arrive pas du tout là. Aspiration? Ah bon? Good job, you're fastest in sector one. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de passages premières. Ah, 1 sur 4, ok. Ok. Bon, je dois penser à des passages premières, quoi.
On en est là. Ah. Nickel. Là, j'avoue que la boucle elle était magnifique là. Je m'auto-félate. Bon, ça c'était de la merde. Bon, visiblement le jeu trouve ça bien. Ah ouais? Sur mon record là? Oh là là! Vin Diesel quoi! Congratulations, mate. Top job. Ben la voiture elle est folle. Franchement, je m'attendais pas à prendre autant de kiff avec cette voiture. Et puis elle est puissante par rapport aux autres. Tu te dis bon ouais, par rapport aux épreuves qu'ils vont me proposer, ça va être la merde. Mais non, franchement, ça se pilote quoi. Bon, je suis overkill, on est d'accord, mais c'est trop ouf. C'est juste trop ouf. Et ma voiture qui est pas pimpée, putain! Terrible. Boum! Et ben on va s'arrêter là-dessus. Sur cette victoire tonitruante. Et ce petit trophée. Non, franchement. Bonne session. Bonne découverte. Cette petite Ferrari. Ma Hot Wheels de compète. Ce sera le nom de la VOD d'ailleurs. Mais bref. Du coup. On a terminé la première catégorie d'épreuve. Bon, évidemment, il y aura ça à faire. Mais ça, je m'en occuperai plus tard. En off, peut-être. J'en sais rien. Et la prochaine fois, ce sera tout relancé, quoi. Ok, c'est du chrono. Course, course. Donc rien de particulier. Ok. Eh ben, c'est cool. Eh ben, en vrai, je pense qu'on refera... on refera du jeu d'ici, d'ici demain. D'ici demain soir. Parce qu'en vrai... Je kiffe. Voilà. Bref, des bisous YouTube. Et portez-vous bien.